Que vous voulez ? Laissez-la partir. Sarah, peu importe de qui il s'agit, cette voix veut nous éliminer. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Le dernier afflux de substances chimiques et d'activité électrique d'un cerveau mourant. Un court-circuit de l'IDN. Un afflux de souvenirs et de pensées imaginées et réelles. Je peux mettre fin à ce cauchemar! Pitié, aide-moi! J'en peux plus. Je veux que ça s'arrête, mais je peux pas le faire. Tu dois y mettre fin, pitié. Tue-moi. N'écoutez que le son de ma voix. Laissez votre esprit se relaxer. Imaginez-vous dans une forêt enneigée. Alors, ça valait le coup ? Ils sont aux aquifères. Est-ce que ça va ? Kane, l'interface complètement buggée, comme si j'étais dans le cauchemar réveillé de Hall. Mais c'est pas tout. Il y avait quelque chose dans son esprit. Une chose, née à Corvus, juste avant l'accident. Elle luttait contre moi, sans relâche. Cette chose manipule Taylor et les autres. Elle les a poussés à faire un massacre à la station sans qu'ils le sachent. Devient plus intelligente. Il faut qu'on parle.
On se prépare à y aller. On lance un assaut aérien sur les plateformes de forage aquifère. C'est là que Taylor et Mariti sont censés être retranchés. Encore une fois, on peut compter sur le soutien de l'armée égyptienne. Comment ils font, Kane? Même sous l'occupation de la NRC, ils ne perdent pas espoir. Peut-être qu'un jour, l'accord aura les moyens d'exprimer sa gratitude et de leur fournir le soutien qu'ils méritent. Dites-moi ce qu'il s'est passé quand vous vous êtes connecté avec Hall. J'ai vu des trucs pas normaux. Des trucs que j'aurais pas dû voir. Avant qu'elle meure, j'étais dans son esprit, dans ses souvenirs, dans ses pensées, dans ses peurs. Elle était effrayée. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait. J'ai vu les cobayes humains du projet classifié à Singapour. Quelque chose en eux hurlait sous la douleur. C'est ce qui a causé la tragédie. Ça a tué tellement de gens. Du calme. Respirez. C'est leur faute, Taylor et son équipe. Ils l'ont réveillée, elle est en eux. Elle les mène quelque part. Restez avec moi. Où se dirige Taylor? Il cherche toujours la forêt enneigée. La NRC est déjà arrivée à l'aquifère. Ils ont installé un réseau de défense aérienne sur la plateforme supérieure. Bien reçu, Khalil, on arrive. Notre priorité est d'éliminer les systèmes de défense de la NRC. Et Taylor? Chaque chose en son temps, Hendrix. Chaque chose en son temps. Ennemis multiples détectés. Annulez la formation et descendez-les. Hendrix, va à la plateforme. On se retrouve là-bas quand ce sera terminé. Bien sûr, mais on se grouille. On peut pas perdre Taylor et Mariti. Il y en a deux de plus qui se dirigent vers vous. J'en ai verrouillé un. Lancez! Attention au tir terrestre! On peut pas les esquiver! Mettez les gaz! Ils sont trop rapides! Faut les verrouiller aux missiles! Cible verrouillée! Faites gaffe aux unités terrestres! Je contourne pour essayer de le pousser vers l'aquifère. On essuie des tirs nourris ici. Faut qu'on rejoigne la plateforme. Bien reçu. On fait le ménage et on modifie notre vecteur. Ok. Faut qu'on élimine ces défenses aériennes pour que les forces égyptiennes puissent sécuriser la plateforme. Le traître américain.
aurait besoin de moi au sol. Mais gaffe ! Négatif, Hendrix. On a besoin de soutien aérien jusqu'à ce que cette plateforme soit sous contrôle égyptien. On peut mettre la torse de communication en surcharge manuellement. Allez, dirigez-vous vers la console de communication. Éliminez les ennemis restants. Thank you.
La prochaine station de communication se trouve droit devant. On y va. En avant. Allez-y, je vous coupe. La console est droit devant. Après la radio de la NRC, vos cibles sont au niveau inférieur. Ils essaient de mettre en place un plan d'extraction. Encore arrivé avant eux. On y va. Je vous envoie les coordonnées de la dernière position connue de Taylor et Marie. Bonne chance. Waouh, sacré baignade. N'écoutez que le son de ma voix. Imaginez-vous dans une forêt enneigée. Les systèmes se sont éteints. J'ai vu vos diagnostics. Vous avez les mêmes symptômes que Hendrix. Sûrement comme l'équipe de Taylor. Quels symptômes? Je crois que le logiciel d'IA du projet classifié est passé dans les tissus organiques. Votre idée en a servi de portail. Il est né dans les cobayes et il vit dans chacun de vous. Lentement, il prend le contrôle. Et détruit peu à peu votre raison. C'est combien de temps? Quelques jours. Quelques
quelques heures. Ça ressemble à un système distribué. Une intelligence qui croît avec l'expérience de ceux qu'elle infecte. Et qui les consume. Écoutez-moi. Quel que soit son fonctionnement, quel que soit son but, je suis toujours moi. Taylor. On le trouvera. Et si la seule façon d'arrêter ça, c'est de lui coller une balle dans la tête, je le ferai. Il n'y a pas que lui. Si on en arrive là, je ferai ce qui devrait être fait. On trouvera un autre moyen. Éloigné de l'armée, éloigné de la CIA. Il y a des endroits où on pourrait aller, où on serait en sécurité, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Restez avec moi. Quelque chose brouille le signal. On a du mouvement vers vous. Il y a un truc pas normal. Ouais, j'ai la même impression. Ouvrez l'œil. Là-haut, préparez les armes. Avec moi. Kane, vous me recevez? On a des contacts multiples qui se dirigent vers vous. Tirez-vous! Taylor et Mariti. Ils savaient qu'on arrivait. Kane, vous devez partir. Ils essaient de vous coincer. Vous me recevez? Il en arrive encore. La NRC attaque sans relâche. On a vraiment du mal à prendre l'avantage. Il nous faut plus de soutien aérien pour sécuriser la plateforme. Vous restez ici ou vous me suivez? Quelle est notre meilleure chance de localiser Taylor? En sécurisant la salle de contrôle, on aura accès au système de sécurité de la plateforme. Ken peut te transmettre les infos. Vas-y. En haut ou en bas, on vous donnera le soutien nécessaire. D'autres appareils de la NRC arrivent. Il faut les empêcher d'approcher de la plateforme. Bien reçu, on y va. Les voir, plusieurs ennemis en approche, on va les intercepter. Reçu, les voir aussi, j'attaque. Je vais revenir vers votre position. Viseur verrouillé. Je vais passer derrière eux. En paix, à moi, gérer. Trois ennemis en visuel. Je passe au vecteur 103 Echo. Attention au tir terrestre! On peut pas les esquiver! Mettez les gaz! Je cherche celui-là! Skip est doué! Et ils sont contre! Henry,
Rix, quelle est votre situation? Les hommes de Khalil sont attaqués près de la salle de contrôle. On risque de perdre Taylor et Mariti. Il faut empêcher ça. Passons au soutien des forces terrestres. Khalil, recouvre vos hommes. Continuez d'avancer. Ils sont trop nombreux. La sécheresse en avait fait une cible pour les pirates. Les protocoles de sécurité renforçaient et compartimentaient les zones critiques en cas d'intrusion. Verrouille-la, Khalil! Verrouille-la maintenant! Mariti y est encore. C'est pas terminé. Kane, comment on peut atteindre sa position? Eh bien, les protocoles de sécurité ont placé une force blindée entre lui et vous. Suggestion? Mariti est toujours dans le hangar. Les hommes de Khalil se dirigent vers sa position. Bien sûr, on va les rejoindre. Descendez en rappel jusqu'au sol. Il reste une porte renforcée entre eux et nous. Je m'en occupe. On peut pas les laisser filer.
esprit se relaxer. Qu'est-ce que t'as, putain ? T'es pas toi-même, Hendrix. Il y a quelque chose dans ton esprit depuis que tu t'es connecté à Diaz. Ça fait la même chose que pour Taylor. T'as perdu de vue la mission et Taylor ! Quoi ? Taylor a révélé une conspiration qui implique à la fois le cœur même de la CIA et l'accord Winslow, et ça fait de lui une cible. Non ! Kane a analysé nos diagnostics. Kane ? Mais c'est elle qui tire les ficelles, et depuis le début ! C'est elle, la putain de CIA! Ça suffit, Hendrix! Quoi? Tu me crois pas? Tu commences à avoir un petit faible pour elle, c'est ça? Tu t'imagines dans une jolie maison, avec une jolie petite famille? Je t'avais pas dit de pas lui faire confiance! Elle te fait perdre la boule! Elle fait perdre la boule? Est-ce qu'il se passe dans ton petit cerveau à toi? On en parle! Super.
Laisse tomber. Le monde connaît la vérité. T'es un traître. Ta vérité a tué des milliers de personnes. Je sais qu'on a bien agi. Tu peux en dire autant ? Abattu comme un animal. On fait le sale boulot. Depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mais me dis pas que tu le vis bien. Maretti était un des nôtres. Tout comme Hall, tout comme Diaz. On va faire table rase et buter Taylor maintenant? Si tu tiens vraiment à préserver les foutus secrets de la CIA, peut-être que je devrais coller une balle dans la tête de Kane tant que j'y suis. Écoutez-moi. La seule raison pour laquelle tu n'es pas dans une prison égyptienne, c'est uniquement parce que personne viendra nous aider. On est tout seul. T'es tout ce que j'ai. Et en plus, t'es mon pote. Un barrage de missiles. Sortez de là immédiatement. Inutile de nous le répéter. On y va, Hendrix. Faut qu'on remonte tout là-haut avant que le bâtiment nous tombe dessus. Faut que je sorte de là. On sait. On fait ce qu'on peut. Lâche rien! Le hangar est par là! Kane, à propos de ce qui s'est passé, de ce que vous avez dit... Ce n'est pas le bon moment. J'ai eu tort. J'ai douté pendant un moment. J'ai juste... L'affection, cette chose à l'intérieur de Taylor, à l'intérieur d'Hendrix, à l'intérieur de moi... Comment on arrête ça? Croisez les doigts pour qu'on puisse l'endiguer. Si on arrête Taylor, vous aurez peut-être une chance. Si on vous donne accès aux bonnes infrastructures. Il faut juste garder Hendrix sur les rails. C'est pas vraiment officiel, mais on a un terrain d'entente. Il sait que maintenant, c'est moi qui tiens les rênes. C'est quelqu'un de bien. Je pense qu'il fera ce qui est juste.
Hendrix avait raison. Taylor a un marché avec la NRC. En ce moment, elle est sous leur protection dans leur bastion du Caire, les Tours Lotus. Si ce que tu m'as dit est vrai, il nous reste pas bien longtemps avant de devenir aussi fou furieux que lui. Les habitants n'ont pas baissé les bras. On a l'armée égyptienne et la milice civile qui se battent à nos côtés. Une rébellion pourrait prendre la NRC par surprise et fragiliser son emprise. Tout comme leur attaque à Ramsès. On s'en sert comme diversion pour capturer notre homme. Quand on aura Taylor, on cherchera un moyen de ôter ça de notre tête. Coûte que coûte. Une fois Kim mort, on se rend au poste de sécurité et on coupe le système d'aide. Alors, ce sera le coup d'envoi de la révolte. J'en ai rien à foutre de ta révolte à la con. Stop. Ces amateurs ont pas intérêt à se mettre dans nos pattes. Pétez, pétez, ne me tuez pas. Ok. Le poste de sécurité le plus proche est au 25e étage. C'est notre cible. Quand vous y serez, je mettrai en surcharge le système d'aide de la NRC. Quand la NRC aura compris à qui elle a affaire, elle va puiser des renforts dans d'autres quartiers de la ville. On doit s'attendre à une forte résistance jusqu'au bout. Le général Hakim donne son discours sur le balcon. N'oubliez pas, l'attaque doit être brutale. Il faut un message, une démonstration de force. Le Caire attend la mort du général Hakim pour donner l'assaut. Couper la tête du serpent et regarder le corps s'autodétruire. Fais ce qu'il y a à faire. Quoi ? Comment vous avez fait ? Citoyens du Caire, votre heure est venue. Reprenez votre ville. La NRC est en déroute, mais elle va se regrouper. Mes frères, récupérons notre ville. Débarrassez le Caire de la NRC.
sur le toit. Elle t'emmène jusqu'à l'autre bout. Je nous fais monter. Les renforts de la NRC envahissent les étages inférieurs. Ta mission va échouer si tu ne les repousses pas. Question. Je me battrai aux côtés de mon peuple. Désactive les boutiques mobiles jusqu'à cet étage. Ça te fera gagner assez de temps pour capturer Taylor. Allez, c'est parti. Civil droit devant. Ne tirez pas. Les renforts de la NRC. Ils verrouillent tout l'étage. Je calcule nos options. Passe le point d'entrée! Trouvez-nous un chemin, Kane! Ce conduit débouche sur le poste de sécurité. Vraiment? On n'aura pas mieux que ça? Putain de merde. T'énerve pas, Hendrix. C'est pas toi. C'est ce truc que t'as dans le crâne. Les a eu par surprise. Ennemis aux deux étages. On se disperse. Branchez-vous à cette console et connectez-moi au système. Je préfère ça. Khalil, j'y suis. Surcharge effective dans 3 minutes. Hey Kane, arrêtez un peu de crâner devant Khalil et essayez plutôt de localiser Taylor. Ne déconcentre pas, Hendrix. Taylor est enfermé dans le bloc de détention 7, 90e étage. Il pourrait se tirer de là sans problème. Pourquoi il reste? À quoi il joue? Putain. Est-ce qu'il... ça nous voit? Je ne sais pas ce qui reste du vrai Taylor. Je crois que son cerveau a grillé. Thank you.
On entre! Kate, j'espère que les systèmes d'aide sont désactivés. 30 secondes, tenez la position. Khalil, le réseau d'aide est hors d'usage. Vous avez le feu vert. Confirmation. Renfort aérien en route. Laissez les mauvaises oublies s'estomper. Attention à vos tirs. Force égyptienne dans la zone. Ok, Kane, parlons boulot. Comment on rejoint Taylor au plus vite? Prenez cette boutique jusqu'au 90e étage. C'est relié au centre de détention. Surveillez Hendrix. Il dépasse les bornes, là. Bien sûr. Si c'est pas malheureux, eux seuls contre cette putain de NRC. C'est comme s'ils étaient persuadés d'avoir une chance. On a toujours une chance, Hendrix. Dans moins de 6 mois, ils connaîtront une nouvelle forme d'oppression. Je pèse mes mots. Ça ressemble à notre arrêt. On est où? Vous êtes juste en dessous du 88e. Utilisez l'accès au toit pour sortir d'ici. Suivez le marqueur. Il vous guidera jusqu'au bloc de détention. Taylor devrait y être. Entendu. On est en route. Dégagez!
Croyez-moi, on est au courant. Taylor a sécurisé la salle et bloqué l'accès à la porte. J'essaie de contourner ça. Tenez bon, plus que quelques secondes. Accès rétabli. Bien reçu, Kane. On y est presque. Derrière cette porte, allez-y! Taylor! Taylor, rends-toi. Laisse tomber, John. C'est terminé. Allez, quoi! Tu me connais! Hendrix. Ouais. C'est ça, mon frère. T'es toujours là, John? Tu m'entends? Tu comprends pas. Je nous ramène chez nous. On sera à l'abri. On sera tous à l'abri. À l'abri? Putain, c'est quoi à l'abri? Comment ça à l'abri? John! John, pars pas! C'est quoi une forêt enneigée?